colère. Quand toi, tu es malheureuse, c'est tant de choses. Ouaba, vous êtes en train de dire que les oiseaux des mêmes plumages qui volent ensemble. Oiseaux, là, où? Les plumes, là, sont dispersées. Les plumes, là, se sont dispersées. Il y a les marraines, les femmes qui disent elles sont marraines, elles sont dans le gouvernement. Elles sont des femmes de gouvernement, elles sont marraines. Ce qui se passe en Afghanistan, là. Parce que ce qui se passe chez les blogueurs, mes frères blogueurs, c'est Afghanistan. Mais depuis, on n'est pas né. Afghanistan, là. Depuis, on n'est pas né. Et puis, il y a parlable là-bas. Depuis la nuit des temps, il y a des enfants même qu'on a accouché, ils ont eu 4 ans, ils ont eu 5 ans. Les blogueurs, là, sont faits parlable. C'est à cause de l'Afghanistan. Palestine. C'est Palestine. Maintenant, en Palestine, là-bas, là, il y a marraine. Il y a des personnes, des autorités. Il ne faut pas en gâter le nom des autorités de ce pays. Il ne faut pas en gâter le nom des vraies autorités. Les autorités qui sont en train de travailler de ce pays, il ne faut pas en les mélanger. Parce que ces personnes-là disent que ce sont des autorités. Ils sont des autorités, mais au Liban, il y a un autre tonton là. Où il n'y a pas là chez lui là-bas, et puis ça ne finit pas depuis là. Depuis Gozo là. C'est ça qui est chez les blogueurs là-bas. Ils quittent là-bas, ils disent qu'ils vont, comme ils vont instaurer peut-être la paix entre les enfants. Ils vont instaurer la paix entre les enfants, entre la jeunesse. Ils vont mettre la paix entre les Aya Robert, les Ukraine. Ukraine là même, c'était tout de suite là. Ukraine là, c'est tout de suite là. Non. Il y a un autre tonton là. Il est blanc comme ça, long comme ça. Bachar al-Assad, ouais. Bachar al-Assad. Depuis Gozo, il y a Palab là-bas. Comment on appelle chez lui là-bas? Palab qui est chez Bachar al-Assad là-bas. Là. Ça se tue toujours, ça se gâte, mais il ne cherche pas toute solution de réparer. C'est ça qui est chez les blogueurs ici. Vous êtes des grandes femmes comme ça. Parce que vous êtes là, vous n'êtes pas des petites filles. La madame Lakoune, sa copine Mariam là. Myriam, ouais. Myriam, mi quoi là? Myriam. Quand on parle, on dit vous partez par citation, mais citane pour mettre ce que vous donnez aux gens. Siri. Partez prendre citation. Vous partez prendre papier des blancs là pour donner aux gens. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous êtes des femmes du pays et puis d'autres même dedans, on dit vous êtes des renommées. Deux grandes femmes comme ça, vous êtes là, vous n'avez pas 30 ans, vous n'avez pas 20 ans. Deux grandes choses. Comment on vous appelle même? Deux vampires, deux Dominga Simon, Madame Lakoune et puis sa copine là. Myriam là. Vous deux, vous êtes assis sous la toile et puis les enfants là sont en train de se déchirer comme ça. Matin, midi, soir, on sort pour dire non, arrêtez, arrêtez. Donc vous êtes en bas, vous voulez qu'il y ait le mort d'homme. Oui, parce que pour des personnes sensées, des personnes intelligentes, des personnes normales, vous savez qui vous allez manipuler. Vous savez très bien qui vous allez faire comme cela. Parce qu'une personne a ses convictions, une personne avec sa manière de voir la vie, une personne qui sait où elle a envie d'aller, une personne qui pense à sa famille, une personne qui pense à ses enfants, une personne qui regarde dans sa famille, qui sait que là, elle ne cause pas. C'est-à-dire que Dieu là, Dieu t'a pas donné quelque chose sur la terre ici pour dire que non, après lui là, c'est toi qui gères le monde, non. Donc quand toi tu es là, ta seule crainte là, c'est ton Dieu. Tu crois en ton Dieu. C'est vrai, l'homme fait ses défauts, l'homme a ses erreurs. Mais là, tu crois en Dieu. Quand tu crois en Dieu, tu regardes tes parents, tu regardes d'où tu viens. Il y a des choses là, tu ne peux pas te mettre dedans. Vous savez qui vous allez manipuler comme ça? Ça dit que où vous êtes, ce que vous êtes en train de faire là. Vous voulez qu'il y ait mort d'homme. Oui. Et vous tombez aussi sur des personnes de peu de foi. Vous tombez sur des mères de peu de foi. Vous tombez sur des blogueurs de peu de foi. Des gens qui sont en train de faire votre attaque. Pourquoi vous ne choisissez pas nous autres comme ça? Pourquoi vous ne venez pas? Vous êtes des mères, vous dites vous êtes des marraines, vous êtes sur l'internet, vous êtes dans le gouvernement bien, vous êtes des enfants, des gens qui ont été des grands types dans ce pays-là. Et quand vous regardez sur la toile, il y a des blogueurs qui font des travaux, qui ont un blog tellement propre, net, des blogueurs à qui on peut tendre la main, pour que là, ils puissent faire partie des sujets très importants de ce pays. Ils puissent faire partie ça sur les chaînes télé. On peut les inviter chaque minute sur des chaînes télé, sur des plateaux télé. Pourquoi ces blogueurs-là, vous ne les approchez pas? Et puis là où il y a le feu, là, vous allez, au lieu d'éteindre le feu, vous allez chaque fois allumer le feu. Vous êtes des blogueurs fantômes. Oui. De grandes femmes. Mais pourquoi vous prenez pour des grandes dames? Vous n'êtes pas des grandes dames, c'est faux. Vous êtes des iopères des quartiers qui sont allés se coller aux femmes riches. On vous dit pas ça. Moi, je vous dis ça. Les deux marraines, là, vous êtes c'est ce que vous êtes. Vous êtes batemouni, les quadés, ladés. C'est ce que vous êtes dans les quartiers de Goziope. Comme ça n'a pas marché
Comme ça n'a pas marché pour vous, vous êtes parti vous coller au boss, au grand type d'après vous. Étant là-bas, là, vous avez eu une petite notoriété, vous avez pris ça pour venir jouer avec les gens de peu de foi, des bloqueurs de peu de foi. Vous avez commencé à les transformer. Vous avez commencé à les... Vous avez commencé à manipuler les esprits. Parce que l'homme, c'est vrai, l'homme, causerie est doux. Mais tu as, mais tu me manipules comment? Tu me manipules comment? Je te vois avec quelqu'un en train de causer bien. Demain, je te vois, tu n'es plus devant un poucu, tu quittes devant un poucu. Tu entends parler d'un poucu. Il va te donner le temps comment? Tu prends un poucu, tu viens parler d'un poucu. Dans quel coup des blogueuses, vous êtes des blogueuses déguisées, des vampires, vous êtes levés, vous êtes allés. Allez, vous êtes allé faire camaraderie. Camaraderie à hein, les blogueurs là. Vous rentrez dans PV de un, vous salissez un, vous prenez un, vous mettez dans la bouche de l'autre, vous prenez l'autre, vous mettez dans l'autre, vous prenez sauce ça là, arraché dans du blé, vous prenez du blé, vous mettez dans copain, vous prenez copain, vous mettez deux nyambros, deux citanes, deux petits vampires, deux restes de femmes, deux gossiopères qui ont tourné, sinon des femmes raffinées. Des femmes éduquées, des femmes comme les Isabelle Anno, des femmes comme les Patricia Kalou, qu'on a connues en son temps, des dames, les MC Marie-Claude là, les MC Kwasi Wala, quand tu as joli yeux là, les femmes des réseaux des médias là, qu'on voit là, ce sont elles, ce que tout le monde, les Mariam Koulibaly, voilà des dames que tout le monde cherche aujourd'hui pour être idole. Les Anzata Ouattara, quand tu t'approches de ces femmes là, elles sont cultivées, elles t'apprennent. Comment tu vas te comporter? Quand il t'envoie un message en WhatsApp, là, c'est le message est limpide comme ça, est posé comme ça. Ça, voilà des personnalités. Pourquoi tu ne viens pas manipuler les juges Crépin Gondoura? Pourquoi tu ne viens pas appeler les juges? Viens nous appeler. Viens nous appeler. Vous savez qui vous avez fait ça. Venez nous appeler. Viens dans nos pays pour venir dire que non, tu vas venir me dire demain que Aya Robert est comme ça. Evige Milan est comme ça. Les filles là, mais pourquoi c'était pas... Tu envoies qu'un reposte, tu sais, vous savez très bien. Vous les madame Lakounoua, c'est Myriam Oua, c'est qui Oua. Une des mères, des femmes qui se disent responsables, des femmes qui se disent qu'elles sont des femmes, des grands types, des femmes qui disent qu'elles ont l'argent. Et puis leur vocation là, c'est voice. Les voix, ça sont dans la bouche de tout le monde. Les voix, ça sont dans le portable de tout le monde. Des femmes ridicules comme ça. Des femmes, des petites femmes comme ça. Vous vous appelez femmes aussi. Ça, c'est quoi? Des méchantes femmes comme ça. Vous êtes assises dans les quartiers comme rien n'a marché. Vous êtes rentrées dans le portable de certains blogueurs de peu de foi. Sinon, ça, c'est quelle manipulation? Une manipulation qui va au déprimant d'arrivée de votre image, de votre personnalité, de vos familles. Vous êtes là comme ça en train de détruire cette jeunesse de peu de foi là. On vous appelle aussi des femmes, la grande dame, madame là. C'est quelle là? C'est quelle? Vous êtes qui? Si c'est pas, si vous n'avez pas un côté satanisme, ça va m'étonner. Parce que quelqu'un peut pas aimer. Parce que vous regardez bien, quand vous voyez une personne qui est calme comme ça là-bas, la seule chose, DS là, celle la fille qui parle français, on dirait moi ici là. Celle qui a silicone, celle que tout son corps est silicone là. Silicone là, vous êtes allé, silicone là, elle avait dit deux jours là qu'elle ne fait plus bavardage. Quand elle est invitée sur le plateau télé, elle est venue bavader ici, elle est venue parler mon faux français. Elle a dit comment elle a mis silicone dans son corps. Elle a fini de parler sa silicone, elle est allée en France. Elle dit elle ne fait plus bavardage des choses là, elle ne rentre plus dedans. Donc elle était au milieu. Comme tu as vu qu'elle est assise au milieu, il n'y a rien là. Tu as couru, tu es allé là-bas. Parce que ça ne t'arrange pas. Où toi tu prends ton pied là? C'est quand les blogueurs là, mes frères, certains soeurs, ils sont de peu de fois, je ne sais pas comment passer. À quelle heure? Moi, c'est vrai, on n'est pas parfait. Mais à quelle heure? Il y a des personnes qui nous regardent. Il y a des grandes personnes dedans. Ça, à quelle heure comme ça, tu vas venir me manipuler à quel moment? Tu peux commencer un jour, deuxième jour. Je vais regarder dans mon père et j'ai dit non. Les choses de méchanceté, vous êtes en train de faire, vous dites que c'est l'argent que vous donnez. C'est quel argent que vous donnez, puis il y a le feu en bas comme ça. C'est quel service vous rendez? Tu es parti, vous êtes parti vous mettre dans le fait de Apoutou là. Ça n'a pas abouti. Tu es quitté dans les Apoutou, tu as voulu aider, tu as voulu soulever Yaka, tu as allé soulever les cœurs de Yaka. Ils n'ont qu'à venir. C'est Yaka même et puis Aya Robert même qui t'ont bien vu même. Yaka et puis Aya Robert, ils sont allés manger, quand ils ont fini là, ils t'ont bien regardé là. Ils n'ont pas voulu faire deux semaines, long chemin avec toi. Ils n'ont pas voulu faire long chemin avec toi. Parce que quelqu'un ne peut pas manipuler les gens comme ça. Et puis les mêmes personnes que tu parles, il y a un peu de temps, 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 il y a un
Voilà ma marraine. Ma marraine Myriam, Myriam, maman Myriam, la femme au grand cœur. C'est quel cœur vous avez? C'est quel cœur ça? C'est quel cœur comme ça? Grand cœur quoi? Grand cœur qui aime voir les gens dans les citations. Grand cœur qui aime voir les gens dans Palabre. Grand cœur qui aime voir les gens s'insulter. Grand cœur qui aime voir les gens insulter la maman de l'autre. Grand cœur, toi, vous des grandes femmes comme ça, vous êtes assises là. Et puis les enfants sont en train de s'insulter les mamans. Même la maman d'Apoutu, tu es camarade, elle là, tu es assise comme ça, et puis les enfants sont en train de la lapider. Je pense que si vous êtes des marraines, vous êtes des grandes femmes, déjà vous avez dépassé la quarantaine. Si vous rentrez dans le PV de ces enfants-là, c'est pour les sensibiliser. C'est pour leur donner, c'est vrai, ils ont leur bloc d'attachement, ils font. Mais vous allez les mettre, vous allez mettre un truc en place pour que ces histoires de mettre un jus d'enfant, un jus de maman, ça, ça puisse quitter dans le bloc. Je pensais que c'est ce que vous allez apporter à cette jeunesse-là. Je pensais que c'est ce que vous allez apporter au bloc ivoirien. Mais au contraire, vous êtes les vampires des blogueurs. Vous êtes les grands sorciers des blogueurs. Vous manipulez ces blogueurs aussi de peu de fois là. Vous les manipulez avec de l'argent. Et quel argent? La dignité de l'homme est où? La dignité de l'homme aussi aujourd'hui est où? Ta personne, même ta personnalité est où? Et puis tu vas passer ton temps à insulter la maman de quelqu'un. Tu vas passer ton temps à injurer le sexe d'une autre personne. Vous êtes des personnes de peu de fois. On parle de quoi? On parle de quoi? Vous êtes de quelle marraine? Des marraines aujourd'hui, quand on choisit une marraine pour faire, quand on choisit une femme pour être la marraine de quelqu'un, vous savez ce que ça veut dire? C'est parce que cette personne a des valeurs. Comme aujourd'hui, là, c'est la poche, les gens regardent. Sinon, quand tu viens prendre une marraine, même de ton mariage, même de temps, avant de regarder la poche, là, regarde d'abord les valeurs qu'elle a. Regarde sa vie. Quand tu prends une personne et puis tu dis, elle va être la marraine de mon enfant, c'est son vécu, sa vie, là, c'est ce que tu regardes. De la manière qu'elle a marché, même quand tu veux donner le nom de quelqu'un à ton enfant, c'est la manière la personne a marché. C'est trace sur la terre ici là. C'est ce que tu regardes. Et puis tu dis, celui-là, il va porter le nom de mon enfant. Parce que celle-là, elle a sa vie là. Vraiment, c'est vrai. Tout n'est pas bling bling. Mais elle a une vie rangée. Cette personne-là vient donner ce nom à mon enfant. Quand on dit une marraine là, d'abord, c'est à cause de ses valeurs, on la prend pour une marraine. L'argent vient après, mais d'abord ses valeurs. Mais comme aujourd'hui, on ne fait même pas la part des choses, on ne regarde rien. Dès que si tu as l'argent dans ta poche, tu es mauvais, oh, tu es buveur de sang, oh, on te prend, mais on dit tu es pareil. C'est pas comme ça fonctionne. Parce que vous, où vous êtes là, vous êtes des buveuses de sang. Dans la jeunesse. Emma Duc, Emma lui a dit, on a qu'à aller nettoyer chez ces choses là-bas. Emma Lois. Lolita, moi je l'aime bien, j'aime bien Emma Lois. Mais quand elle se lève comme ça, elle dit que chose là, c'est pourquoi Emma. Mais j'en ai bien, ouais, elle est bien. Ah, tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Elle voulait dire quoi? Emma, tu voulais dire quoi? Pourquoi on n'a pas parti prendre les briques pour nettoyer? Pourquoi? Et les vidéos on a fait, les photos on a pris pour faire un profil, pour prendre pour te soutenir. Nous, mais moi-même, là, mais j'ai fait vidéo, j'ai bombardé les petites soeurs envieuses, là, les filles qui sont allées voler dans ton spa, tout ça, là. Je les ai bombardées. Pour dire que pourquoi? Mais tu dis qu'on n'a qu'à aller soulever quoi? Emma, d'abord, même là, tu as moi-même tes habits, tu as brûlé, je n'ai pas vu. Tu as brûlé ton habit, Emma Lois. C'est vrai ou bien les gens, comme les gens aussi ont fini, c'est que je n'ai pas vu, je ne peux pas parler de ça. Tu as brûlé tes habits. Pourquoi tu fais ça? Tu ne sais pas que ce n'est pas bon. Comme déjà, vous êtes au sommet de l'Himalaya, là, c'est ça. Et même si tu es au sommet de l'Himalaya, on ne t'a pas dit. On t'a pas dit que brûler son habit. Tu prends le vêtement que toi-même tu as déjà porté, puis tu déposes, tu brûles parce que tu ne veux pas donner à quelqu'un. Si tu ne veux pas donner à quelqu'un, oui, qui te poursuit? C'est parce que toi-même tu as venu dire que tu as beaucoup d'habits. Sinon, si tu n'es pas venu dire à quelqu'un que j'ai habillé beaucoup, je vais faire tant. Qui va savoir que c'est comme ça? Tes habits sont remplis là-bas. Si tu sais que tu n'as pas envie de partager, tu laisses là, l'humidité va gâter. L'humidité même va gâter ça comme ça. Pour ça, c'est déchiré. Ou bien tu attaches aussi, tu donnes à quelqu'un, aux gens que tu ne connais pas, il y a des orphelinats, il y a des coins. Dans les coins même, il y a des coins comme ça où on ne connaît pas. Il y a des pays même, il y a des pays même éloignés. Puis tu vas là-bas, tu fais les dons, tu donnes aux gens que tu envoies quelqu'un même que les gens même ne connaissent pas à côté de toi. Et puis la personne va et puis il fait les dons. Moi, je n'ai pas vu, comme je ne peux pas trop m'affirmer de me concentrer dessus, pareil, je n'ai pas vu où tu as brûlé. Si les enfants te demandent, pareil, si tu toques là-bas, les enfants te demandent fort. Toi et puis aux oies, c'est comment? Il faut leur répondre, tu dis non, ta vie n'est pas sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, ta vie n'est pas sur la vie des réseaux sociaux. Ça ne t'intéresse pas comment? Souvent vous faites rien. Souvent vous faites, on fait beaucoup rire même. Ta vie n'est pas sur des réseaux sociaux comment? Tu manges, viens en or, tu mets sur Facebook. Tu vas dans la piscine, tu mets sur Internet. Tu vas dans le restaurant, tu mets sur Internet. Tu vas gérer affaires dans le bureau. Quand tu es en train de monter, il y a caméra qui te suit.
on regarde, on commente. Ah, quand on commente, on ne fait plus, on dit Lolita, la mignonne, Dieu te bénisse, notre queen. Ça là, tu vois pas. Tu sais pas que c'est un travail au fait aussi, les empreintes là, les doigts qu'on fait, qu'on s'acquitte, les yeux là, ça prend problème. Vision là, la vision là aussi, là, ça prend un coup. Quand tu es au travail, faut que tu accélères tes éléments. Les visions là, on te regarde comme ça là, les yeux là, nos yeux prennent coup. Est-ce qu'un jour on a dit on veut faire SOS pour que tu payes nos lunettes? Non. Pour lui comme ça, votre argent, mais je n'en ai rien à foutre. Mais une autre disponibilité. Tu n'as rien à foutre aussi. Faut pas nous dire ça. Parce que les gens, même l'homme qui prend ta photo et puis il met en profil, c'est de l'amour. L'homme qui prend ta photo, il met sur sa page, c'est de l'amour. J'aime Eka, mais je ne sais pas qu'une chose. Je ne suis pas Kalande. Et Malove, je ne suis pas Malove même aussi. C'est une fille, j'aime très bien. Parce que les Malove, les gens, les abonnés psychopathes, les fans psychopathes, là, moi, je ne suis pas psychopathe. Je ne suis pas quelqu'un de manière psychopathe. Donc, je ne suis pas Emma Love. Je l'aime. J'aime Emma. Son style, sa façon de faire, j'aime. Sinon, si tu dis que Emma Love, Emma, parce que ça, c'est Emma stupide. C'est que les gens qui suivent comme ça, là, c'est les bêtes, c'est les Naloma. On suit pas comment comme ça, là. Tu brûles tes habits ici. Tu dis, pourquoi tu dis les réseaux sociaux ne t'intéressent pas? Et puis, tu prends les CV des gens, tu déchis sur les réseaux sociaux. Si les gens t'envoyaient les CV, est-ce que quand ils envoyaient CV là, on a vu là-bas, mais série officielle. Quand ils ont envoyé CV là, on n'était pas là-bas. Ils ont mis CV dans la boîte. Quand tu viens, tu prends, tu regardes, ça ne t'intéresse pas. Tu gardes, si tu ne réponds pas, ils ne vont jamais faire vidéo pour dire pourquoi tu n'as pas répondu. Mais tu as pris caméra, tu as mis, et puis tu dis non, que les réseaux sociaux, c'est pas la vie des réseaux sociaux, c'est pas ma vie. Pourquoi vous mentez comme ça? C'est vous-même, la vie des réseaux sociaux est vos vies. C'est quand vous allez dormir, on ne voit plus. C'est quand vous êtes en train de faire rapport, on ne voit pas. Sinon, toutes vos vies, vous partez déjeuner, on vous voit. Vous partez vous asseoir quelque part, on vous regarde. Vous faites connaissance avec quelqu'un aujourd'hui. Vous signez contrat, on sait, on regarde. Mais là, vous parlez de quoi? Si les enfants ne te voient pas aux oies, ils te demandent qu'est-ce que c'est pas, il faut répondre. Pourquoi? Vous ne répondez pas, c'est toi qui vas répondre. Pourquoi? Voilà, bas accouché, on ne t'a pas vu là-bas. Vous répondez. Pourquoi? Ce n'est pas télé-réalité, on regarde. Vous mentez. Hein? Les Kim Kardashian, là, les villes, il y a réponse. Quand tu acceptes de faire télé-réalité, par exemple, vos villes, c'est télé-réalité. C'est télé-réalité. C'est pas tout. Quand tu ne montres pas tout, c'est là où on te pose la question. Donc, télé-réalité, vous nous avez mis dedans. On est là, on attend. C'est épisode par épisode. Épisode de Zoa, et puis aux Zoa Snap, tout, on ne voit pas. Il faut nous dire pourquoi. Waraba et toi, vous étiez debout ici 2 jours là. Jusqu'à quand vous étiez à Paris, vous dites que non, c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Vous ne volez plus. Vous faites rire. Vous allez nous expliquer pourquoi vous ne volez plus. Waraba, mais c'est mis derrière ta conseil, dit que attention, les oiseaux de même plumage, c'est eux qui volent ensemble. Hein? Tu as oublié. Vous avez dit ça. Donc si on ne vous voit plus, les mêmes choses que vous nous avez montrées, on doit vous demander. Pour demander ça encore, tu es obligé de t'asseoir comme ça pour même mèche, pour bavarder sur nous comme ça. Dans ça, on dit, on n'a qu'à prendre chose. Tu aimes Plakali et Kabatou là. Moi, ce que je peux faire, c'est tôt, je vais venir préparer, tu vas manger. Si je finis de faire tôt ça là, tu finis de manger, tu vas me donner 1 million. Je vais venir arranger mon coin. Ou bien tu vas dire, tiens, 2 millions, je vais venir arranger mon coin. Pourquoi vous faites ça? Waraba dit que les oiseaux, t'as dit que comme toi, ton père est riche, Waraba aussi, son père est riche, et vous êtes né riche, comme vous êtes retrouvé en France, dans les habits des magasins, donc vous êtes arrêté, vous dites que les oiseaux de même plumage, les gens étaient assis, on vous regardait. Ozoa aussi qui est né dans Golo Kofi, comme moi ici, là, elle aussi, maintenant elle ne fait plus de publications, on ne parle pas de ça, on ne vous demande pas, on va vous demander plus. Ozoa, elle n'avait plus de vie. À cause d'elle-même, à cause de toi et Malou, ils sont allés insulter la mère de Ozoa. Ils ont bien insulté la femme, là. La belle maman, la jolie tante qui nous a fait des merveilles à bien ici. Là. Ils sont allés la savonner. Ils l'ont bien nettoyée. Parce que moi, j'ai lavé Ozoa aussi ce jour-là. Je ne l'ai pas raté. Parce que c'est à cause de son séparé, son love, là. Elle est dans le groupe de Emma Love, là. C'est à cause de ça ils ont insulté sa maman. Je ne l'ai pas raté ici. Ozoa qui n'avait plus de vie, qui ne vivait que. Qui ne respirait que pour toi, là. Si on ne la voit plus faire snack, on ne la voit plus faire vidéo sur sa page maintenant, parler de toi, te montrer, tu ne vas plus au Maroc, aux choses là-bas, à Istanbul, non. C'est Istanbul. Si tu ne vas plus à Istanbul, elle, là, on ne vous demande pas. On va te demander bien. C'est à cause de ça, la vie, tu as crié sur les gens. Tu cries sur qui? Qui est ton enfant, même? Ils n'ont qu'à aller faire quoi? Quelqu'un a des problèmes. Vous avez des problèmes comment?
Pourquoi vous aimez vous moquer des gens? Vous avez quel problème? Aïe! Arrêtez un peu. Vous avez quel problème? Vous qui montrez les sacs matin, midi, soir, de luxe comme ça dans les grands magasins. Les sacs même qui peuvent payer maison même d'un fonctionnaire sur 2 ans, 3 ans. Un seul jour, vous partez faire achat de sacs. Vous rentrez dans les magasins, vous allez dans les restaurants. Vous allez manger dans les restaurants. Les factures qu'on vous donne, ça fait 400 000, ça fait 600 000. 700 000 en une journée, vous mangez. Vous faites vos sorties comme ça quand vous allez dans les plages, les trucs là. C'est pas moins d'un million, 2 millions vous dépensez. Vous avez quel problème? Et puis des gens n'ont pas venir vous faire quoi? Ce qu'on peut faire, c'est partager vos publications, partager vos vidéos. Quand vous êtes sapé, on partage. Quand vous faites aussi, c'est pas, on n'a pas trop de choses là. On parle de ça. Sinon, on n'a qu'à faire quoi? On n'a qu'à aller aider quoi? Qui n'a qu'à aller nettoyer? Qu'est-ce pas? Vous faites rien, vous le faites là. C'est comme les calendes là. Les calendes là, mais ils font messe. Tu cries ici comme ça. Vous allez dans les coins manger viande seulement en or. Hein, calende aussi. Calende, même chose avec calende là. Calende, elle est ta vie, tu allais manger demain aussi, elle aussi calende. Hein, c'est le groupe calende. Ah, la calende. Calende, allez manger aussi poulet en or. Vous viennent en or, vous finissez de manger les viandes en or qui font près de combien de millions. Vous finissez de faire tout ça et puis vous dites que les gens n'ont qu'à vous soutenir où ça. Des gens même qui cherchent transport, les jeunes qui vous soutiennent sur Internet comme ça. C'est des enfants, des petits étudiants, des petits jeunes. Mais comme ils vous adorent, ils vous aiment, vous êtes les stars du pays. Ils ont laissé les Kardashians pour dire que c'est vous là. On va regarder. Eux-mêmes là, ils cherchent 1000 francs transport pour aller au plateau, pour aller déposer CV, pour aller déposer papier. C'est eux là, si Spa a fait tout de suite là, ils n'ont qu'à sortir eux tous pour aller, ils vont aller nettoyer Spa. Mais eux, les photos, ils ont mis les publications, les trucs là, tu ne peux pas saluer ça. Dans un premier temps, c'est ce que tu devais saluer d'abord. Parce que tu ne mets pas tout le monde dans la même tasse. C'est des gens, certaines personnes qui sont en train de demander sur Internet, ils veulent savoir ce qui se passe. Slide. Ce qui se passe en toi et puis une chose là. Ozoa qui était là, qui n'avait plus de vie là. Qui ne respire que pour toi là. C'est elle là. On demande, c'est comment 2 jours, on ne vous voit pas. Quand vous faites bruit sur Internet, quand ça ne va pas, quand on vous demande, vous ne répondez plus. Hein? Quand vous êtes là un peu seulement, vous nous vertigez, hein, vos sacs, vos habits, vos sacs, vos chaussures. Vous prenez les gens pour qui? Que c'est pour aider? Satis Mauro, on t'aide dans quoi? Toutes les relations du monde, c'est toi qui as ça. Les calandes là même, là, elles même habillées ici, là, elles sont dans Boro Kofi, elles sont dans Sinorosa de Papis. Elles font mess. On peut aimer quelqu'un puis aller jusqu'à s'oublier comme ça. Elles font mess. Il y a une même qui fait association, elle fait mess. Une messe au nom de la lacune. Moi, j'ai fait mon club maintenant, vous avez fait mes messes. C'est pour ça qu'on va pas accoucher là. On leur a dit, eux, les cadeaux, ils n'ont qu'à déposer ça au magasin. Maintenant, quand ils voient que Waraba invite ces personnes-là, ses amis, c'est vrai, ses amis, pas ses fans à la maison, ses amis personnels, elles les envoient chez eux à la maison pour les cadeaux, ils sont fâchés. Ils disent que pourquoi Waraba ne les envoie pas? Que quand c'est eux, c'est au magasin, et puis quand c'est les autres, je ne sais pas si Waraba allait vous envoyer. Ah, n'a qu'à vous envoyer à la maison où est-on là. Tellement bonne manière de suivre les gens, d'aimer les gens. Il n'y a pas de distinction dedans. C'est pour ça dans la vraie vie. Vous êtes chose, je dis, vous êtes chose là, c'est ça. C'est comment comme ça?